Samedi 24 octobre, la chorale municipale Oelsocht a tenu à la Philharmonie du Luxembourg un concert unique en son genre. En l'espace d'une soirée, la chorale de la métropole du Fer a fait renaître, 150 ans après le décès du grand compositeur, violoniste et chef d'orchestre allemand Louis Spohr, l'admiration que suscitaient autrefois les œuvres de cet artiste. Injustement oublié par la plupart des mélomanes de notre époque, Louis Spohr fut cependant considéré à l'époque comme l'un des grands maîtres de l'ère, son style variant entre le classicisme et le romantisme. C'est dans l'idée de rendre hommage à ce virtuose que la chorale municipale Oelsocht sur Alzett, dirigée par Jeff Spiers, a interprété le 24 octobre dernier l'oratorium Die letzten Dinge du compositeur allemand. Accompagné par les musiciens de l'orchestre Estro Harmonico ainsi que par quatre solistes prestigieux, Daniel Patz, Elina Arabinska, Christian Chenil et Jean-Marie Kiefer, le concert a été un moment fort en émotion. La diction correcte de la chorale ainsi que le ton homogène de l'orchestre ont rendu la soirée mémorable, sans superficialité et musicalement agréable à écouter. La prestation fut d'ailleurs vivement applaudie.